Le calme est revenu la nuit dernière à Herstal, qui jouxte la commune de Houpey, en province de Liège, a indiqué lundi matin le bourgmestre faisant fonction Jean-Louis Lefebvre à l'Azance Belga. Pour ce dernier, c'est la présence en nombre des policiers qui a été dissuasive. Avec les forces de l'ordre, nous avions pris des mesures préventives pour empêcher à nouveau tout débordement nocturne. Des patrouilles ont réalisé des contrôles à chaque fois que quelque chose semblait suspect, a détaillé le mailleur. Les pompiers de Liège n'ont par ailleurs effectué aucune intervention sur la zone. Des affrontements entre la police et plusieurs individus rassemblés autour du quartier de la Préale, sur les hauteurs d'Herstal, avaient éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont conséquents, abribus dégradés, bulles à verre renversées et incendiées, mobilier urbain abîmé, etc. Les vitres de certaines maisons et d'une école ont également été brisées. Ces événements font suite au décès d'un jeune homme abattu vendredi à Houpey par un policier. La victime avait refusé d'obtempérer à un contrôle avant de percuter et d'écraser un agent de police avec le quad qu'il pilotait. Le collègue de ce dernier avait alors ouvert le feu à deux reprises, touchant le fuyard à la tête à travers son casque.